Voilà. Alors, il y a un truc que j'ai compris. Là, c'est bon, j'ai compris le coup du chat. Voilà. Non, mais c'est bon. Ça, voilà, on me la fait pas, moi. C'est bon, j'ai compris. Alors. Oh, ça me nique, ça, l'espèce de corde à la con, là. Puis ça chauffe, ça. Alors. Petit coucou. Ah oui, alors, petit coucou à Kalidor qui est dans les bouchons. Il a dit qu'il passerait. Et puis, finalement, il n'est pas passé. Alors, nous allons donc jouer, et donc je remercie Kukulkan qui m'a aidé à bah voilà, bidouiller le jeu, j'en ai parlé, comme avec Maléfice en fait. Donc on va essayer de... bah voilà, je vais vous montrer. Bon, pareil, on va pas essayer. Je suis tout petit, bah oui, je suis tout petit, je suis dans mon Amstrad, regarde. Donc on va le faire. Donc merci Kukulkan, encore une fois, pour avoir bidouillé évidemment le jeu. Donc là, on va jouer évidemment avec la version... de Kukulkan. Alors voyez, déjà, on a changé. On a changé. Non, je dis pas on. Il a changé le texte qui clignote. Le texte qui clignote à l'origine, c'était marqué presser les majuscules pour jouer. Et oui, parce qu'il ne comprenait pas quand on tapait en minuscules. Vraiment de la merde. Donc là, il a fait une petite modif, comme quoi on peut taper majuscule, minuscule, machin. Pareil, il a modifié le déplacement de la carte. On n'est plus obligé de taper nord, entrée, est, entrée, sud. Il suffit d'appuyer sur les flèches et tac, on se déplace. Donc on ira plus vite. Et Ah, donc tu es peut-être le vrai alors. Oh, je sais plus qui est qui. Qui est qui? Marie-Ange Nardi, qui est qui? Alors. Ah ouais, non, moi j'ai mon chapeau à pointe comme les Allemands pendant la guerre 14. Ils avaient un chapeau à pointe, évidemment. Et je comprends pas, il y a deux Kukulkan. Oh, je comprends pas. Ah, il a invité David Marcus. Eh ben oui, David Marcus, bien sûr. Voilà, donc c'est fait vraiment, le clignotement va vous rendre fou. Donc on presse une touche. Alors, le jeu, je l'ai mis aussi à 200%, sinon on se fait chier, les petits amis, on va se faire chier, c'est chiant comme la pluie. Donc voilà. Alors, je vous explique en même temps ce que j'ai compris du jeu. Histoire de vous captiver. Alors, j'ai la solution aussi hein, devant moi. Alors, en fait, le but du jeu, c'est de récupérer 6 fiches. Donc, ce que vous voyez en haut, là. Fiches. V, donc, c'est bien les points de vie. Il se peut que dans les Landes, parce que la map est composée de plusieurs parties, il y a les collines, il y a les Landes, il y a la forêt du roi de pique, piqueur, carreau, trèfle, tapis, vert. Et il y a aussi un bord de lac, il y a un lac dans lequel on peut se jeter dedans et mourir, il y a des marais qui préviennent pas, on se jette dedans et on meurt. Vous allez voir, c'est assez... voilà, c'est assez sympa. Je pense que tu es bouché. Donc, oui. Ah, c'était ça, il fallait trouver, évidemment, les métiers dans qui est qui. Marie-Ange Nardi, bien sûr, formidable, Marie-Ange Nardi. Alors, j'ai évidemment la soluce devant les yeux. Donc déjà, le premier truc, c'est qu'il faut trouver toutes les fiches. Alors, il y a une fiche ici. Alors, on fait... examine pancarte, comme quoi c'est sadique, hein. Il y a une fiche. Je prends la fiche. Ok. Alors on peut faire examine fiche, hein. On va pas examiner toutes les fiches, hein. Je vous épargne ça. Ah oui, non, bah, n'importe quoi. Fiche 1. Non, mais je comprends pas. Et là, il fallait lui rentrer le numéro. Donc la 1, on l'a pas, la 2, on l'a pas, la 3, on l'a pas, la 4, on l'a pas. Oh merde, j'ai pas la bonne version. C'est pas grave, les amis. Je pensais que Kukulkan avait mis la version à jour. Il l'a pas mise à jour. C'est pas grave, les amis. Calmez-vous. Ah oui, et ça plante. Calmez-vous. Évidemment, je fais toujours un bisou à Mister MV, vous ne savez pas qui c'est, mais moi je sais, et lui ne le sait pas, mais il sait que je l'aime, parce que c'est mon maître à penser. Voilà, alors, on recommence, les petits amis, on recommence. C'est celui-là. Alors, non mais en fait, non, en fait c'est bon, ça marche, hein. Regardez.
Mais es-tu le vrai Kukulkan? Bah moi je dis Kukulkan, oui, non? C'est Kukulkan? Ça fait nul Kukulkan, je trouve. Kukulkan, je trouve que ça fait plus épique. Alors, nous sommes 12. Écoute, nous allons voir, GX, si ton site a beaucoup d'influence, si nous allons atteindre 21, même sans Ému France. Ému France, évidemment. Mister MV, Tintin, on est bien, Tintin. Non, Mister MV, Tintin. Mais non, Mister MV, Mister MV, quoi. Hello Paco, hello Devil Marcus. Évidemment, je ne parle pas anglais, mais c'est, je sais quand même. Alors, bon, alors, voilà, on est là, on fait examine pancarte. Ça va aller très vite, les amis. Il y a une fiche. Donc, je prends la fiche. Ok. Donc, j'examine la fiche. Je vais vite, hein. Alors, c'est pas la fiche 1, c'est pas la 2, c'est pas la 3, c'est pas la 4, c'est la 5. Donc, toutes les fiches, je vous explique en même temps. Toutes les fiches, en fait, sont décomposées en 3. C'est-à-dire, vous avez A, B, C. De ce que j'ai compris, le A vous donne, vous donne des indices pour trouver un mot, un objet. Le B vous donne en fait des indications sur la prochaine fiche à aller chercher. Et le C vous donne des indices sur la commande finale à taper. On se souvient de tout ça? Prenez le temps d'y penser. Attention, l'inventaire. Oui, non mais l'inventaire, oui bien sûr. J'en parlerai quand... Donc tu es le vrai Kukulkan. Oui, mais pourtant il connaît des choses. Il n'est pas connecté. Oui, mais là, je pense que Fada CPC est Kukulkan, hein, parce que là, il me parle d'inventaire. L'inventaire, c'est un truc qu'on n'a parlé que en mail avec Kukulkan. C'est un truc qui n'a pas fuité, quoi. Là, il n'y a pas d'embrouille, quoi. Alors, voyez, donc ça, on a ces trois-là. Donc, sur les 6 fiches, c'est à chaque fois ça. Je vais vous les épargner hein, à chaque fois. On ne va pas en plus les taper toutes. Donc, j'ai une fiche. Donc là, je regarde, évidemment, il y a une soluce qui est très... rapide, on va faire le tour en fait de la carte. Donc vous voyez, quand j'appuie sur la flèche, tac, je vais à l'ouest. Ouest une fois, ouest deux fois, ouest trois fois, ouest quatre fois. Merde, j'ai fait nord. C'est pas grave, on arrive toujours au truc. Nous avons le puits. Il y a une boîte sur le bord. Et ben je prends la boîte. J'examine la boîte. Et il y a une fiche à l'intérieur. Je prends la fiche. Ok. Je vais pas examiner la fiche. Ah oui, donc, Kukulkan a rajouté un inventaire. Voilà. Ça, avant, on l'avait pas. On savait pas ce qu'on avait. Mais je sais pas s'il est là, Bruno. Je sais pas. Mais je pense... Je pense qu'il est là, mais en fait, il nous joue des tours. Kukulkan, c'était lui. Alors, maintenant que je suis dans le puits, je vais à l'ouest. Je vais à l'ouest. Il y a une publicité. Bah, en fait, la publicité, on s'en fout. En fait, il y avait plein de trucs comme ça. Il y a le vampire. Le vampire, vous pouvez perdre des points de vie. Mais là, on s'en fout. Nord-nord-ouest. Merde, je me suis planté. Le château. Le château, il n'y a rien à faire. Il y a plein de trucs comme ça, il n'y a rien à faire. Vous allez voir, c'est assez déprimant. Ouest une fois, ouest deux fois, ouest trois fois, ouest quatre fois, ouest cinq fois. Vous inquiétez pas, les amis, ça va aller très très vite. J'ai déjà deux fiches. Ça va aller très vite. Pareil, la tour carrée, c'est bien, on fait le tour du proprio. Mais la tour carrée, malheureusement, bah, il n'y a rien à faire non plus. Le jeu, en fait, est inachevé. C'est ce qu'on pense. Ah non, Phoenix n'est pas parti, c'est son anniversaire. Tous les amis sont réunis pour ton anniversaire. Ah, c'est la touche 7 du pavé, bien sûr. Ah, la touche 7 du pavé. Ah, oh, c'est beau la touche 7 du pavé. Nous avons une version quand même aux petits oignons. Alors maintenant que nous sommes dans la tour carrée, évidemment qui ne sert à rien, on va ouest 4 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors c'est une énorme map. Alors là nous arrivons dans les rochers. Bien sûr. Et 3 fois sud. Sud, sud, sud. Nous arrivons à l'arbre mort. L'arbre mort, il y a une fiche. Examine. Arbre. Il y a une fiche dans les branches. Je prends la fiche et que j'examine. Non, non, j'examine pas la fiche, on s'en fout. Donc là, j'ai 3 fiches. On a déjà fait la moitié du jeu, les amis. Vous vous rendez compte? En 10 minutes. Je comprends rien, moi. Je sais pas si ce jeu s'est vendu. Hein. Alors,
Il n'y a rien à comprendre, Descartes. On se balade, en fait, dans la map. Moi, j'ai un truc, je suis là des indications. Du coup, une fois qu'on est dans l'arbre mort, on fait le ouest 5 fois. 1, 2, 3. Il y avait une pomme. Encore une pomme. C'est aléatoire, les pommes. Hein. Ça se met n'importe où. Il y a le temple hindou. Le temple hindou ? Ben non, il n'y a rien à faire. Ensuite, 3 fois sud. Sud, sud, sud. Et là, nous arrivons à l'église. L'église, dans la version originale, est buggée. Il faut le savoir. Quand on fait entre, on entre dans l'église, il faut le savoir quand même. Hein. Et quand on fait monte, dans la version originale, ça plante. Donc on n'atteint pas ça. Donc ça, c'est une correction de Kukulkan. On arrive donc au screen de la cloche. Et malheureusement, si on n'a pas ça, eh ben, on ne peut pas finir le jeu. Donc le jeu, à la base, est buggé et caca. Quoi. Donc là, évidemment, on examine... La cloche, évidemment. Il y a une fiche, on prend la fiche. Ce qui fait qu'on en a 4. Voilà. Perd pas le nord, bah non, bien sûr. Alors oui, voilà, évidemment, ça... Voilà, on rentre dans l'église. Alors, évidemment, faut descendre. Descends. 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 Sortir, sortir, sort, sort, la clepside, sort. Donc maintenant qu'on est dans l'église... Ah oui, ce qui est bizarre, c'est que des fois, enfin, toutes les actions, c'est conjugué. Entre, monte, examine, prend, descend. Par contre, sortir, non, c'est sortir. Bizarre. Ensuite, l'église. Sud. 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 Est. Ah non, mais voilà, ça va aller très vite. Vous inquiétez pas, ça va aller très vite. Il y a des statues. Mais il y a des statues différentes ici. Il y a une statue de Vénus. Examine, statue de Vénus. Oh, il y a une fiche à ses pieds. Prends fiche. Ok. Pas examine fiche, on s'en fout. Donc là, vous voyez, on est quasiment à la fin du jeu. Xtrabé doit être à fond. Alors. Sud. Sud. Ensuite. On est presque au bout. On est au bout. C'est imminent, c'est imminent. Donc est, est à fond. Jusqu'à ce qu'on arrive au dolmen. Donc là, je m'en fous, je compte pas. Ah, moi, je m'amuse, oui, bien sûr. Mais je m'amuse, mais je vous montre la fin du jeu. Regardez, on y est, on est à la fin du jeu. Examine dolmen. Il y a une fiche. Prends fiche. Ok. Maintenant, on a toutes les fiches. Alors, quand on lit toutes les fiches... Alors, non, pas, je ne vais pas commencer comme ça. Le truc là, c'est que maintenant, il faut taper une commande spéciale. Alors, je vais quand même vous lire. Donc, on est bien d'accord... que dans les fiches, il y avait A, B, C. Écoutez, examine. Fiche, je vous montre. On va prendre la fiche 1, par exemple. Voilà. Le A donne une indication sur un objet. Le B, c'est sur les fiches. Donc le B, maintenant, on s'en fout. Et le C, en fait, c'est des petits mots qui sont placés dans un ordre, mais what the fuck, et il faut reconstituer une phrase. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les fiches, mais je vais vous dire ce qu'il y a de marqué. Celui qui, donc celle-ci, le ventre, il, au pluriel, naît, naît, N apostrophe ST, désigne sa place, désigne ENT, pas à de, sur la mosaïque. Et tu te démerdes avec ça. Donc, j'ai fait un fatra, et ce que j'ai compris, donc là, Kukulkan, je te balance une info de dingue. Moi, en fait, les mots, il faut les remettre dans le... Je pense, c'est, en fait, il a balancé tous les mots, voilà, hop, et puis vous vous démerdez. Donc, moi, j'ai compris. Il désigne le ventre de celui qui n'a pas sa place sur la mosaïque. Entendez, la mosaïque, c'était l'échiquier. Mosaïque, échiquier. Waouh ! Et on avait tous remarqué que sur l'échiquier, le cheval n'était pas au même endroit que nous. Enfin, il avait bougé. Mais il avait bougé avec la tour, donc c'était soit le cheval, soit la tour. Eh non, mais... Là-dedans... voilà.
Y a rien à comprendre les phrases, c'est un fatras pas possible. Celui qui le ventre, il ne désigne sa place pas à deux sur la mosaïque, ça veut rien dire. Donc, il désigne celui qui n'a pas sa place. Il désigne le ventre de celui qui n'a pas sa place sur la mosaïque. C'est ce que j'ai compris. Donc maintenant, regardez bien. Accrochez-vous. Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, le chat ! Le chat s'en va ! Ah ouais, ça a cogité, moi j'ai pas compris. Et quand je comprends pas, ça m'énerve. Donc, alors par contre, il faut taper ouvre. Et là, ouvre, merci Kukulkan d'avoir regardé dans le code, parce que sinon, pff, ouvre, ventre, cheval. Oh, puis la musique. Ta-da-da. Et dans ouvre, ventre, cheval, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a un livre, il y a une bouteille, une clé, un peigne. Un arc, une flèche, un dé, une disquette à l'intérieur. Et les indices A, je vais pas tous vous les lire parce que je pense que tout le monde en a rien à péter. Les indices qui avaient marqué dans le A, c'était le dé. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le dé. Et on est à la fin du jeu. 20 minutes, speedrun, homologué, record du monde. Champion du monde. Voilà. Et le jeu est fini. Alors, il y a une map énorme. Je sais plus combien. 292 cases. C'est énorme. Salut Turc. Ah, ça fait plaisir. La map est énorme. Et t'arrives juste à la fin du jeu. On peut exécuter la commande n'importe où. Oui, bien sûr. Ouvre ventre cheval. On peut le mettre n'importe où. C'est débile. C'est du cheval lasagne. C'est ça, c'est... je sais plus comment que c'était l'usine, la ville. C'était... c'était pas Castelnaudary, je crois, la viande de cheval. Dans les Hachis Parmentiers, c'était Castelnaudary, je crois, non? Voilà, je pense que les... Voilà, c'est ce qu'on se disait avec Bruno, évidemment. On se disait, les mecs ont pas eu le temps de finir le jeu, parce qu'il y a plein d'endroits... Bah, on sait pas aller... 392 cases, pardon, excusez-moi, je crie 292, j'en mettais 100 de moins. Donc, si vous voulez aller sur CPC Power, vous verrez la fameuse map. Ah, je vais même vous la montrer. Joyeux anniversaire, Serge! Hey! Allez, je vais vous la montrer. On va, parce qu'elle est sur CPC Power. Alors, on fait un peu de pub. Oh, tiens, c'est référencé premier. Alors. On va taper autre, hein, de toute façon, il n'y a que ce jeu-là qui a le nom là. Alors, de toute façon, autre. Map. Donc, je me suis fait chier. Alors, je sais pas si vous le verrez. Ah, si, vous le verrez. Ah, faut qu'il charge. Oh putain. Oh putain. Oh, il va ramer misère. Oh la vache. Oh, j'aurais pas dû. Ah, si. Ah, si, c'est bon. Bah, j'ai mis ma petite signature, hein, vous avez vu? Et j'ai mis tous les screens les uns à côté des autres. Je me suis fait chier. On se fait chier. Ah, ça cause plan. Alors voici mon beau plan, regardez, c'est magnifique. Alors vous voyez, il y a des marais de la mort. C'est-à-dire que ça prévient pas. Vous êtes dans les Landes, tranquillement, vous baladez, vous tombez peut-être sur un vampire, et vous décidez d'aller dans le sud, et bah bim! Vous crevez. Par contre, le bord du lac... Bon, bah, le bord du lac, ça vous le dit quand même. Bord du lac... tu sais qu'après, t'as un lac, quoi. Donc, tu crèves, quoi. Mais tu meurs, hein, direct, hein. Alors, vous voyez, il y a des statues, machin. Donc, on démarre là. Il y a des pyramides, il y a des trucs. On sait même pas à quoi ça sert. Bah, vous la voyez pas, la pyramide. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est chiant comme la pluie, les petits amis. Voilà. Mais non, je suis pas grossier. Castelnaudary, mais non, c'est Castelnaudary, la viande de cheval, je crois. L'usine incriminée, c'était à Castelnaudary. Alors, donc voilà. Vous êtes content? Vous avez eu la fin de l'autre aventure? On se décarcasse pour vous quand même, hein. Amstrad.eu, Kukulkan, CPC Power, en force, représente la famille Sissi. Allez,